A tous soyez les bienvenus dans Emima Extra Round. Comment être performant sur la durée quand on est combattant C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui avec nos invités Nicolas Haute, François Maubert. Bonjour, comment ça va Ça va très bien, merci. Il y en a un qui ne se met jamais la pression, sauf quand il est dans les bouchons, c'est Sébastien Love, mon <laughs> acolyte. Allez, c'est parti pour une émission 100% talk avec un sujet pratiquement d'utilité publique. C'est parti pour l'interview Spotlight. Alors quand on parle de performer sur la durée, il y a à la fois le fait de performer sur une saison complète, une saison type amateur qui est franchement très productive, ou alors type PFL, où on a énormément de combats dans une saison, et il y a aussi le fait d'être performant sur la durée d'une carrière. Donc on va parler de ces deux volets-là. Euh, messieurs, Nicolas, déjà en termes de généralité, quel est le secret pour durer, pour être performant euh, quand on est combattant sur une saison complète, type PFL La première des choses, c'est de considérer ce qu'on appelle la récupération. La récupération elle va être déterminée déjà par combien de charges de travail j'impose à mon athlète. Si on a quelqu'un qui est habitué à s'entraîner deux, trois fois par semaine et qui commence à atteindre un niveau de compétition qui est supérieur, quatre, il commence à s'entraîner quatre fois par semaine, cinq fois par semaine, voire même à faire de l'entraînement bicotidien, il va avoir une charge de travail qui va être très élevée. Et parfois, dans un premier temps, son corps n'est pas capable de récupérer de cette charge de travail. Donc le rôle de l'entraîneur, du préparateur physique, etc. c'est etc., de dire ok de mesurer d'une façon ou d'une autre de quelle quantité de travail il est capable de récupérer. Et ça c'est une notion qui est importante parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs encore à l'heure actuelle qui pensent que plus c'est forcément mieux. Donc euh, j'ai vu que tu avais pas de cardio, tu sais quoi on va rajouter une séance de cardio là, puis la boxe anglaise ça va pas, on va rajouter de la boxe anglaise ici, puis on va rajouter Oui mais rajouter rajouter OK, mais dans quelle mesure tu es capable de récupérer de tout ce stress auquel est soumis ton corps. Est-ce qu'il y a un ratio idéal alors c'est-à-dire qu'il faudrait deux entraînements pour une récup, trois entraînements pour une récup. Il y a un ratio idéal Alors, sur la semaine, sur la semaine, il n'y a pas de ratio idéal. Ça dépend vraiment de l'athlète. Je prends l'exemple d'Alexis Barbosa. Quand il est arrivé au Mamoudi, nous, on fait de l'entraînement bicotidien. Lui, il était sur entra... un, un entraînement par jour. Quand il est arrivé à la salle, c'était compliqué pour lui. Il a mis deux à trois mois à vraiment s'adapter, c'est-à-dire à faire en sorte que son corps puisse se reposer de cette charge d'entraînement. Maintenant, il y a des stratégies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, pol on polarise l'entraînement. C'est-à-dire qu'il y a des jours où c'est très dur et il y a des jours où c'est très souple. L'entraînement à l'ancienne, où c'est dur lundi, c'est dur mardi, c'est dur mercredi et jeudi, tu te casses parce que ça a été dur toute la semaine et puis en plus tu performes de moins en moins bien, ça c'est quelque chose qu'on ne fait plus. Donc polariser l'entraînement, c'est-à-dire niveler les, les, les intensités d'entraînement au fur et à mesure de la semaine, c'est quelque chose qui est très 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 important pour gérer la récupération dans la semaine. Donc là en fait, tu es en train de nous dire que finalement la planification d'entraînement euh, c'est une pièce maîtresse euh, de la performance. C'est la plus grosse pièce maîtresse quand on commence la pyramide. C'est-à-dire c'est vraiment la base de la pyramide. Si je mets une charge de travail qui est supérieure à ta récupération, de toute façon, on court à la casse. Ensuite, dans un deuxième temps, une fois qu'on a vraiment euh, gérer cette partie-là et on pourrait s'étaler sur cette partie-là parce que c'est vraiment long il y a au niveau de la semaine il y a la décharge comme tu disais au niveau du mois est-ce que je fais trois semaines intenses une semaine de récup deux semaines intenses une semaine de récup donc là il y a plein de stratégies comme ça est-ce que l'été je pars en vacances ou est-ce que l'été je continue à faire euh, des sports de combat ou alors je continue à faire du sport mais je ne fais pas des sports de combat aujourd'hui c'est beaucoup ce qu'on fait cest à je continue à être actif mais pas forcément des sports de combat je lâche un peu sur les sports de combat parce que psychologiquement et physiologiquement c'est intéressant euh, ça, c'est tous les aspects de la planification. Après, au-delà de la planification, on a le sommeil, qui est la star de la récup, et on a la nutrition. En termes de sommeil, on sait tous, tous les athlètes, tous les entraîneurs, tous les coachs savent que c'est super important. Parfois, Mais on ne sait une pas. Euh, une, une, une moyenne Oui, un nombre d'heures. Euh... Ce qu'on sait, c'est que plus tu es un athlète et plus tu t'entraînes en grande quantité, plus tu as besoin de sommeil. On parle de 8 à 10 heures, on parle même parfois de plus de 10 heures. Ah ouais, mais moi, est... j'entends parfois des gens alors, qui n'ont rien pas forcément à voir avec le sport, mais qui vont être conférenciés, qui ont un gros volume de travail, mmh. et eux me disent qu'ils dorment 4 heures. Bah, écoute, écoute. Enfin, alors, je dors 5 heures. C'est ça. Par, par, euh, ouais, 5 heures, mais depuis que je suis, je suis jeune. Hein. Alors, ça, c'est un peu le mythe à l'ancienne. Ouais. Euh, on avait les conférences de Schwarzy qui, ou de Kobe Bryant qui disaient euh, Lève-toi à 4 heures du mat', et comme ça, tu vas travailler plus que les autres, etc. On s'est rendu compte que, un, en termes de qualité. De qualité d'apprentissage, vitesse d'apprentissage, à quel point tu retiens les gestes, euh, performance, c'est-à-dire en quantité, est-ce que je soulève plus lourd, est-ce que je vais plus vite, est-ce que je suis plus endurant, tout ça, quand on dort plus, on est mieux. Donc, on sait qu'on a besoin de dormir. Parfois, on ne sait pas combien de temps. Ce qu'on ne qu sait pas aussi, c'est comment appliquer cette chose-là. Parce que tu dis à ton athlète, tu as besoin de dormir plus, et puis deux mois après, il dort toujours autant. Donc, il faut construire et... et je dirais que c'est la phase la plus importante, mais pour l'entraînement, pour la récupération, pour le sommeil, pour... c'est construire en fait des habitudes de vie qui nous permettent d'être performants. Donc, construire un rituel de vie qui nous permet de nous coucher plus ou moins à la bonne heure. Construire un rituel de lever, ce n'est pas que l'heure de coucher, c'est l'heure de lever. Par exemple, on sait maintenant qu'être exposé à de la lumière naturelle le plus tôt possible dans la journée permet à son cerveau de capter que, OK, il y a du jour, donc je dois être réveillé, donc je dois être en forme, donc je dois être capable de produire de l'énergie. Et de la même manière que le soir, on recommande de couper les lumières qui sont pas naturelles, la lumière du téléphone portable, les lumières bleues, les lumières des écrans de PC, etc. Le matin, on conseille d'aller très rapidement, si on a la possibilité, si on a un balcon, si on, a, euh, si on sort en bas de chez soi pour promener son chien, on a les yeux qui sont en contact avec la lumière naturelle du soleil. Et ça, c'est quelque chose qui est très bon pour être réveillé rapidement. Et donc nous, on veut créer des habitudes. De vie, un mode de vie alimentaire en termes de sommeil, en termes d'entraînement qui fait que finalement, faire ça, c'est juste notre routine. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on se brosse les dents trois fois par jour, on se douche une, une à deux fois par jour, ce n'est pas un effort pour nous. Mmh. Parce que dans notre routine, on sait que, bah OK, avant de me coucher, je vais aller me brosser les dents. C'est plus d'effort. Psychologique, physique, c'est presque un automatique. Oui, c'est devenu euh, mécanique. Alors, euh, personnellement, il me semble utopique de penser qu'un coach puisse gérer ses habitudes saines chez chacun de ses combattants. Euh, a priori. Euh, comment on peut leur demander d'être lucide sur ces aspects quand on sait que à la prépa... dans une préparation de combat, on va perdre entre euh, je sais pas moi, 4 et 10 kilos mmh. Et donc ça veut dire que ça va forcément, euh, intense... pas intensifier, mais ça va rajouter une charge de travail parce mmh. qu'à un moment donné, tu manges normalement, tu vois que ça stagne, tu vas forcément rajouter des entraînements. Enfin, ça veut dire qu'il faut être très tactique aussi euh, à ce niveau-là. Comment tu peux demander à un combattant d'être lucide là-dessus Ce que tu dis, c'est super intéressant, Lucie, parce que effectivement, le troisième volet de la récupération, c'est la nutrition. Et en termes de nutrition, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'aspect le plus important pour récupérer, c'était combien tu avais de calories dans ton organisme. Combien tu avais de quantité, la calorie c'est une quantité d'énergie, combien tu avais de quantité d'énergie qui te permettait de récupérer. Et effectivement, ce qu'on a souvent avec les combattants, c'est qu'ils montent très très haut en poids en dehors des combats. Du coup, ils doivent descendre énormément. Ils ont beaucoup moins de calories. En même temps qu'ils doivent descendre, ils reprennent l'entraînement. Et donc, ils intensifient l'entraînement, et donc, ils ont une dépense d'énergie qui est comme ça, ils ont une récupération qui est comme ça, et c'est là qu'on court à la fatigue psychologique et physiologique, et à la blessure, etc. Au lieu de faire ça, l'idée, bah, c'est de pas monter trop en poids, première chose. Deuxième chose, d'éviter les, de, de, les phases trop longues dans lesquelles on s'entraîne plus. C'est-à-dire que là où, alors, en MMA, ça se fait moins, en boxe style, il y avait vraiment des gens qui venaient s'entraîner parce qu'ils ont une date de combat. Et quand ils n'ont pas de date, ils ne viennent pas s'entraîner. Nous, ce qu'on veut, c'est créer un rythme à l'année où j'ai une date, j'ai pas de date, je suis en train de m'entraîner. Quand j'ai une date, peut-être que je m'entraîne un peu plus, un peu plus intensément. Mais même dans l'idéal, moi aujourd'hui, je suis arrivé à une forme de planification dans laquelle, globalement, on a presque une continuité. Et en fait, il n'y a pas cette variation qu'il y avait avant avec le pic de forme, où il y avait une surcharge qui était vraiment énorme, une grosse fatigue, et on essayait de faire un pic de forme à un moment donné. Non, j'essaie de faire en sorte que de manière continue toute l'année, on progresse, on met un peu plus de stress, on est un peu plus fort, on est un peu plus endurant, on est un peu plus technique. Mais il n'y a pas cette phase où je passe de tout à rien. Parce que cette phase de tout à rien, c'est cette phase dans laquelle on se blesse beaucoup. Et si encore une fois, on prend l'exemple le, le, d'Alexis Barbosa qui a enchaîné 11 combats en un an, qu'on prend l'exemple de Kenji qui combat beaucoup moins mais qui a combattu longtemps euh, en faisant beaucoup de compétitions, bah, c'est des mecs qui sont là toute l'année, c'est des mecs qui s'entraînent toute l'année. Effectivement, il y a des périodes, avant le combat, c'est la période d'affûtage, ils s'entraînent un peu moins, après le combat, ils s'entraînent un peu moins. Quand il vient qui me dit qu'il est un peu fatigué, on arrange l'entraînement, mais comme je leur ai dit ce matin, j'étais en préparation physique avec eux ce matin, juste avant de venir ici, j'aurais dit, on a le droit de gérer. Mais on n'a pas le droit de s'arrêter, on n'a pas le droit d'abandonner, on a le droit de gérer, on vient à l'entraînement et moi je vais gérer la charge d'entraînement pour qu'aujourd'hui ce soit une charge d'entraînement à laquelle tu peux récupérer. Mais on n'a pas le droit d'abandonner, on n'a pas le droit d'arrêter, on n'a pas le droit de ne pas venir à la salle. Alors tout à l'heure en off, François nous disait que souvent la blessure intervenait. Alors on reviendra sur la blessure après, mais je rebondis sur ce que tu dis, mm -hmm. on n'a pas le droit d'arrêter. Or, c'est souvent au dernier rang qu'on se blesse. Il le disait, voilà, dès qu'on sent la fatigue. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce que ça nous demande Ça demande un combattant qui se connaît bien finalement. Ça demande un combattant qui se connaît bien, ça demande un entraîneur qui comprend qu'il y a des moments de l'entraînement. Et je vais prendre un exemple qui va être pertinent, puisque je me suis blessé hier à l'arcade. Dernier round, je <laughs> parie. <Alors>, dernier, alors, dernier sparring <laughs> particulier, très particulier. <laughs> on fait le sparring, on fait le sparring dur, on envoie, euh, et ça se passe bien. Il n'y a pas de blessure, il n'y a rien. Et après Sparring, ce que j'aime bien faire justement et ce que je préconise, en fin d'entraînement, au lieu de finir par du travail dur, on fait du travail souple sur lequel on revient sur des phases qui n'ont peut-être pas fonctionné. Donc là, on revient sur des phases de lutte, on est honnêtement on est à 10%. On est en train de faire du travail à 10% contre la cage, du placement, du technico-tactique, etc. Sauf que la lutte, on le sait, c'est assez accidentogène. Sur une des projections de lutte, il y a une amplitude qui est créée. Et sur cette amplitude, moi, je rebondis au sol. Et lui, il y a son crâne qui rentre en contact avec mon crâne. Et donc, on se blesse, effectivement, en fin d'entraînement, mais je veux dire, c'était presque pas la faute. Alors là, je me dédouane, puisque c'est moi l'entraîneur. <laughs> ouais, ouais. C'était presque pas la faute de l'organisation de l'entraînement, parce qu'on était sur un travail très souple. Mais ouais, encore a... une fois, on veut prévenir les blessures. Celui qui dit, j'ai une formule qui fait qu'il n'y a pas de blessure, ça, c'est un mensonge. Mm. On savoir s'écouter, c'est important quand même. Savoir s'écouter, c'est super important. Alors, euh, j'ai une question par rapport à ce qu'on disait. Euh, le rythme de la PFL est extrêmement intense. On peut avoir entre 3, 4, 5 combats, ce qui est une saison franchement chargée. Euh, Est-ce que, parce que Kayla Harrison, elle, elle s'est carrément retirée du circuit à 1 million de dollars. Elle s'est dit totalement exténuée. Euh, Est-ce que ça existe, le burn-out sportif Oui, je pense que ça existe. Ouais. Vous avez déjà été confronté à ce genre de situation mm. Oui. Ou alors peut-être que vous ne le saviez pas. Oui, oui, et surtout, moi j'étais confronté à ce genre de situation, surtout sur des athlètes euh, de ces sports-là, les sports olympiques. Euh, le judo, le karaté, dans lesquels ils ont des compétitions tous les mois, dans lesquels il y a des enjeux tous les mois, puisque si tu n'as pas fait assez de points à cette compétition, tu n'es pas qualifié, puisqu'il y a l'enjeu de l'équipe de France. Si ce n'est pas toi qui performes aux compétitions avant les championnats d'Europe, avant les championnats du monde, c'est pas toi qui est sélectionné. Et j'ai remarqué que dans ces sports, dans lesquels la pression psychologique de la compétition, la pression psychologique des entraîneurs est très, très, très importante, j'ai remarqué que c'est dans ces sports qu'on voit le plus de burn-out, qu'on voit le plus. Au-delà de le qualifier de burn-out, on voit le plus de contre-performance. Finalement, des gens qui sont très prometteurs, très jeunes, très forts, et qui soudainement arrêtent la compétition à des âges où tu dis Attends, tu as 21 ans, tu as 22 ans, tu as, as tout ton potentiel devant toi, tu peux faire des grosses performances, mais en fait, il y a un dégoût de la discipline qui sait. C'est et, ouais. et une fatigue accumulée, finalement. C'est une fatigue accumulée. Parce qu'en MMA, il faut, ouais. aussi, si tu fais 4 combats dans l'année, c'est déjà, déjà beaucoup, mais donc du coup, c'est plus par rapport au. Com au... Comment aux disciplines qu'ils ont fait avant, exactement, ils ont accumulé un trop-plant comme la boxe anglaise, comme la boxe anglaise. Et qui font, je sais pas combien de combats et pour après euh, en MMA dire j'ai fait quatre combats, je suis fatigué. On a Alors... cette double chance en MMA, c'est que non seulement effectivement on fait moins de combats dans l'année, sauf chez les amateurs, mais aussi on a une variété dans l'entraînement qui est quand même très importante. Ouais. Il y a des sports comme la boxe anglaise, comme le judo, ces sports-là qui sont quand même plus limités techniquement, qui euh, les répétitions de schémas encore et encore, année après année, font que la diversité est moins importante et peuvent créer justement le, le burn-out. Alors, le surentraînement, c'est un cadre propice à la blessure et par définition, quand on est blessé, c'est compliqué d'être performant. Du coup, c'est ma question comment, quels sont les indicateurs euh, au surentraînement, euh, François bah, Le surentraînement, il euh, y, y a un questionnaire qui existe, euh, qui a été mis en place par euh, la Société euh, française de médecine du sport et de l'expertise. C'est 54 petites questions. Tous les coachs devraient avoir ça. C'est vraiment très précis. Et à la fin de, du questionnaire, on a vraiment un résultat qui nous donne vraiment l'état de santé de l'athlète en termes d'entraînement. Et bon, ça c'est, on va dire, tout ce qui est euh, subjectif. C'est le coach vraiment... qui remplit ça Non, non, c'est l'athlète. Est Mais est-ce que l'athlète est vraiment... Euh j'ai envie de dire est franc et honnête bah. avec lui-même quand il remplit c'est ça la voilà il y, de... y a aussi ça c'est pour ça que il euh, y a ça aussi lire entre les lignes en fait voilà il faut, faut coach. lire entre les lignes il faut 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 sentir l'athlète et puis il y a aussi tout ce qui est objectif c'est-à-dire on voit l'athlète on voit les signes du surentraînement ouais. euh, le, le manque de sommeil c'est-à-dire l'athlète est fatigué mais il n'arrive pas à dormir euh, son comportement change sa concentration change c'est-à-dire que tu tu comprends moins bien ce que je t'explique là. Les, au niveau des enchaînements, au niveau des pattes, c'est pas clair. Euh, c'est des petits signes comme ça qu'on va sentir. C'est davantage cognitif en fait euh, C'est plus, euh, encore une fois, l'important c'est vraiment euh, de euh, l'entente coach-athlète, l'individualisation. C'est ça, ça qui est important. C'est de l'ordre du ressenti. De... Bah, c'est ça, c'est ça, c'est là. Combien de coachs vraiment Et prend le temps. On sait. Cette... voilà, on ça souvent la question du ça va, comment ça va et vrai, mais un vrai ça va, pas oui. ça va, ça va. Ça va, et je te regarde, et on passe du temps, et on discute comment ça va en ce moment. Ah oui, je, tu m'avais dit que tu avais des problèmes avec ta voiture. Rien que ça, tu as eu un accident de voiture, tu es obligé de venir en transport en ce moment, mais peut-être que ça t'handicape parce que tu devais garder ton ouais. fils. T... Peut-être que ce truc-là, ce contexte-là, il crée une situation de stress qui est, qui est prononcée. Donc il faut, être, faut capter ces moments de surmenage qui ne sont pas seulement sportifs, qui peuvent être aussi extra-sportifs. Bien sûr, le stress, ouais. il, est, mmh. il est sportif, mais énormément extra-sportif. Mmh. Tu allais dire quelque chose, François Non, ça, c'est vraiment faux. Le, le petit questionnaire est intéressant, justement, pour euh, élaguer les, les grands signes. Et admettons, l'athlète la ment, entre guillemets, c'est dans son intérêt, aucun, très peu d'intérêt ouais. de mentir, mais bon. Euh, on a l'entente, aussi l'œil le, le, du coach qui voit, tiens, ça fait, euh, ça fait trois fois que tu te chopes un rhume euh, ce mois-ci, c'est bizarre ton système immunitaire, qu'est-ce qui se passe c'est un signe. Mmh. Ou quelqu'un qui se fait des petites blessures, des blessures de manière répétition. régulière. C'est pas encore grave, mais ça peut le devenir, en fait. Voilà, des, mmh. des, en sortie de prépa, des, des courbatures qui devraient durer 3-4 jours, durer une semaine. Euh, des pertes de motivation aussi. L'athlète, on voit, il arrive, comme, comme, comme dit Nico, ça va, ça va, il ouais. y, 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 y a le ça va, il y a le ça va. Il y a plein de choses différentes. Moi, à la place du ça va, je préfère le comment tu te sens, que le ça va. Mmh, ouais. Parce que le ça va, il... C'est un voilà. peu... <laughs> ça va, ça va. Voilà, mais mais euh... Alors que comment tu te sens ouais. une... C'est une question qui oblige ouais. à, au retour de soi-même. Et alors attends, comment je me sens Ok, et c'est une... plus intéressant que... le ah, mais là, il ouais, faut être capable de... de, de... Enfin c'est ça, de bien connaître son... Connaître parce qu'il le... y a l'ego. Bah, demain, euh, tu me dis, euh, comment tu te sens Seb Ça va. Même si ça va pas, je vais te dire, en fait, ça ta va. Nature, parce que oui, il y a ça aussi. <laughs> Mais. <laughs> Mais Est-ce euh, qu'il y a d'autres euh... facteurs qui favorisent la blessure hein En voilà. dehors de la planification d'entraînement, euh, il y a d'autres choses ou pas il y, a il y a plein de facteurs. Il y, a des, il y a des facteurs extrinsèques, il y a des facteurs intrinsèques. Euh, un des facteurs, euh, bah, c'est l'entraînement invisible, donc euh, la récupération, sommeil, nutrition. Voilà. Après, il y a euh, tout ce qui va être euh, ce qu'on appelle les technopathies, c'est-à-dire la, le, la mauvaise manière de frapper, la mauvaise manière de, de chuter. Ça, c'est pour ça que ça passe par les jeunes. C'est les jeunes, il faut bien leur apprendre les bases pour éviter plus tard les blessures. Après, il y a le matériel utilisé, il y a le staff. Est-ce que c'est un staff de qualité La programmation euh, Il y a plein de choses comme ça. Les plus grosses blessures qu'on retrouve en MMA, quelles sont-elles En MMA, les plus grosses blessures qu'on va retrouver, c'est en fait toutes les blessures liées aux phases de lutte. Et aux phases de mouais. Parce que concrètement, dans les sports de combat, les sports les plus traumatogènes, ça va être lutte et mouais. Ah oui Je pensais que GGB aussi. Mais au niveau articulaire, du coup, c'est quoi C'est plutôt les jambes C'est le genou, beaucoup de genoux. Les croisés, beaucoup Les le ligament latéral interne, l'éluxation d'épaule. D'accord. Voilà, ça, c'est les grosses blessures qu'on retrouve. Plus toutes les blessures, comme le MMA, c'est mixte toutes les blessures des autres sports de combat mmh. qui viennent se greffer, les fractures de mains aussi. Mmh. Fractures ouais, de mains avec les petits souvent. gants, ça arrive très souvent, en toute compétition, il y a au moins une fracture. De... Alors justement, la, la kiné qui me suivait pour ma rééducation, parce que moi aussi je suis en rééducation, donc ça m'intéresse, elle me disait que les femmes étaient davantage soumises, par exemple, aux ruptures de ligaments, euh, parce que c'est lié au cycle hormonal. Vive mmh. l'injustice, merci. <rire> <rire> <'est>, tu le <laughs> confirmes, les femmes sont plus sujettes aux blessures Ça fait partie des facteurs de risque de blessure, c'est l'anthropométrie, donc la morphologie de la personne et le sexe. Effectivement, les, les femmes, alors je, au niveau des études, ils parlent d'une espèce de laxité un petit peu naturelle des femmes. Alors on ne peut pas généraliser, mais fait qu'au niveau articulaire, bah le, le signal que l'articulation va trop loin, ce signal arrive un peu plus tard chez les femmes que chez les hommes. Et donc, du coup, bah, elles ont tendance à taper plus tard. On le voit dans les combats, des fois des combats de, de, de femmes en MMA. C'est impressionnant. On voit le coup il est euh, à 90, elle tape toujours pas. On ne comprend pas, les, les genoux, euh, bon, c'est pareil, donc oui. Euh, Ou ouais. le sexe faible. Non oh. <laughs> Ok. Et voilà. euh, Mais, euh, allez, nouveau débat, débat nouveau débat. Fallait bah, 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 bah <laughs> qu'il y en ait un qui Nouveau débat, yeah. va. je vais t'envoyer Laetitia Blot, les... <laughs> Alexandra Tequena <laughs> et euh, Manon Fioreau, tu vas voir ouais. le sexe faible. Euh, ok. Et alors, dans les cabinets, souvent on préconise, alors j'imagine que vous ne me direz jamais l'inverse, parce que c'est aussi votre fond de commerce, euh, ils préconisent en général qu'on fasse beaucoup plus de renforcement musculaire en prévention des blessures. Pour autant, j'ai aussi des exemples de gens qui m'ont dit qu'ils avaient complètement arrêté la préparation physique parce que c'était une charge trop. Importante et finalement, parce qu'ils avaient cette charge en plus, et eh bien ils se blessaient plus. Donc il y, y a des paradoxes comme ça. Vous en pensez quoi, vous messieurs bah, je, je commence. Ouais. Euh, <laughs> pour moi, c'est une histoire de dosage hein, pour la, la prévention des blessures. On a vu, il y a toutes les études parlent. Si on part du haut de la pyramide, on parle du stretching euh, qui, qui peut prévenir certaines blessures, notamment les déchirures. Après, on va parler de la, la mise l'application application régulière de, de, de l'exposition finalement. À l'entraînement, bah, ça permet aussi de prévenir les blessures. Mine de rien, si on prend quelqu'un qui n'a jamais fait de MMA, qu'on le met dans la cage, forcément, il va y avoir des blessures. Après, il y a effectivement la proprioception, donc la, la, la position du corps dans l'espace, ça c'est un truc à travailler, et le niveau de force. Le niveau de force, c'est vraiment le plus important, c'est la base de la pyramide. Et oui, euh, dire que en je faisais de la prépa et du coup c'était une charge, et tout, c'est juste que la prépa était mal dosée, c'est un mauvais dosage. Pour, pour moi, c'était ça. En même temps, il y a tellement de compartiments en MMA, euh, à un moment donné, c'est un puzzle. Euh, c'est pour ça puzzle, que la préparation hein, physique, c'est on... important. J'ai une question qui revient souvent euh, les étirements, mmh. avant ou après Vous, l'ancienne école, <laughs> c'était avant. J'ai remarqué que maintenant, on les préconise après. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment une, une formule Est-ce que ouais. c'est mieux avant ou après mais On parle plus que... de mobilité maintenant, en fait, non euh, en, en fait, plus, plus vraiment d'étirement, mais de mobilité, non oh, okay. ouais. En fait, la, la, la mobilité, sont... c'est la souplesse plus la génération de force. C'est la génération de force dans une amplitude extrême. Ça, c'est une chose. Et effectivement, la souplesse, il y a des étirements pour travailler la souplesse. Il faut juste comprendre qu'il y a euh, six étirements différents. Donc les étirements, on peut les mettre dans toute la séance. On peut le mettre pendant, on peut le mettre avant, on peut le mettre après. Il faut juste considérer que l'étirement à la dame qu'on connaît tous et j'attends que, que ça passe, ça c'est un étirement, il va y avoir aucune influence sur les courbatures, sur la prévention des blessures. sur euh, voilà. En revanche, il va y avoir un gain d'amplitude. Donc ça peut être intéressant si l'objectif effectivement c'est le gain d'amplitude. Si je veux récupérer, il y a un étirement qui permet de récupérer, qui est plus un, trim, un étirement chaîne musculaire, qui est très doux, très, très léger, mm -hmm. où il n'y a, a pas de contraintes trop forte. Il y a des étirements qui permettent d'échauffer, donc on parle de quoi C'est ça, l'étirement, oui, oui, oui. oui. Okay. Mais ouais. quel est l'objectif Chacun a un quel est objectif différent ouais. pour quel sportif, de quoi il a besoin. Parce que souvent aussi, quand on parle des étirements, on va parler de l'étirement des adducteurs. Effectivement, on va penser à Vandame. Mais la réalité, c'est que la souplesse ou la mobilité, la capacité à créer de la force dans une certaine amplitude. Moi, j'en parle souvent, par exemple, pour la lutte. Quand je fais un single leg en, en lutte et que mes bras s'allongent, mon bras il est allongé, allongé. Est-ce que j'ai la capacité d'aller là Et ensuite, est-ce que j'ai la capacité de générer de la force quand mon bras est ici. Et ça, c'est des trucs qui sont super importants, d'autant plus que ce qu'on remarque, c'est souvent les blessures ont lieu dans des amplitudes dans lesquelles on n'est pas habitué. Donc mon bras, il n'est pas habitué à être ici, et ici, il n'est pas capable de générer de la force, et là, ça pose problème. Donc nous, aujourd'hui, on a une approche dans laquelle on mixe euh, les étirements, mais aussi la pratique de la préparation physique, la musculation, à des amplitudes importantes, pour créer de la force dans des amplitudes qui sont intéressantes pour nous dans les sports de combat. Euh, maintenant, on va parler aussi du, du fait de durer dans le temps et de bien vieillir dans les sports de combat. Euh, <laughs> D'ailleurs, ça va être la conclusion, comment est-ce qu'on peut bien vieillir dans ce sport euh, Quel est le secret des sportifs qui durent, euh, messieurs bah, Comme on, on en parlait un peu en off, euh, se connaître, vraiment se connaître, connaître ses, ses, ses signaux, les signaux, écouter les signaux d'alerte et savoir faire la différence entre un signaux d'alerte qui va dériver vers une pathologie et un signaux d'alerte de... Euh, C'est vrai que là, je pourrais me mettre un peu dans le rouge. Euh, pas non plus s'écouter trop, mais s'écouter juste, en fait. Donc je pense que... La, la, voilà, et puis après, c'est euh, la notion de performance, c'est-à-dire la performance, c'est un objectif, un moyen pour atteindre l'objectif et le résultat. Donc avoir aussi un, un objectif réalisable, c'est en, en lien avec, euh, avec son âge, avec ses qualités physiques, etc. Donc je pense qu'il y a aussi... Voilà, pour moi, pour durer, c'est... Il y a une limite d'âge pour la performance pour mon nom. Dans ce sport, non Ah, dans la euh... même forcément. Ouais, forcément. Par définition, il y a forcément une limite. Quelle est cette limite C'est la question qu'on se pose. Ce qu'on voit, c'est que les sports olympiques, comme en général, il y a des revenus qui sont pas très élevés. On a des arrêts de carrière qui sont beaucoup plus précoces. Dès qu'il y a de l'argent, on voit des sportifs qui perdurent et qui continuent à performer à des âges plus avancés. On avait Randy Couture pendant longtemps. Ouais. On a eu Daniel Cormier. Maintenant, quel est la, la, le point commun de tous ces sportifs qui perdurent pendant longtemps Même Teddy Riner en judo, qui perdure plus longtemps parce qu'il a des bourses qui sont énormes. Quel est le point commun C'est les sportifs professionnels, c'est-à-dire qu'ils sont payés pour faire ça. Deuxièmement, c'est souvent dans les catégories les plus lourdes, parce que la qualité physique qu'on perd en premier, c'est la vitesse. Et la vitesse est beaucoup moins importante chez les lourds que chez les légers. Et la force, par contre, c'est une qualité physique qui ne se perd quasiment pas. On peut être aussi fort à 50 ans, ou même plus fort à 50 ans, ou 55 ans, qu'on ne l'était à 25 ou 30 ans. Et alors, donc si je comprends bien, euh, un mental d'acier, un physique aiguisé, euh, a priori, ce serait la clé pour durer. En hein, partie. Ouais. Et un ouais. objectif. Et un objectif adapté ouais. à, à soi. Quoi. Moi, si je devais donner un conseil par rapport à tout ça, et ce que je vois beaucoup dans les, dans les clubs de sport de combat, on mise tout sur l'intensité. L'intensité, l'intensité, allez. Et je pense qu'en réalité, parfois si on, on va dans l'intensité, mais on diminue un tout petit peu, on va à 90% et pas à 100%, et bien finalement, on crée un stress psychologique qui est beaucoup moins important, on crée un plaisir de revenir à l'entraînement, parce que si on n'a pas de plaisir... Je pense que c'est ça, ça le plus important même. En réalité, j'ai oui. l'impression que c'est ça le plus important. Créer un environnement dans lequel j'ai quelqu'un qui vient souvent, et pourquoi il vient souvent Parce qu'il voit qu'il progresse, il voit qu'il euh, y a quelque chose qui se passe à chaque séance, et donc si on a quelqu'un qui vient souvent, suffisamment souvent, forcément, il va devenir bon. J'ai une question sur euh, les amateurs. Est-ce que amateurs. le cutting chez les amateurs, c'est quelque chose qui est essentiel Moi, je le vois dans les compétitions amateurs en MMA, mmh. ils sont tous à faire un cutting. Alors, et si ça, que... ça me rend fou. Seb, au niveau, c'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire ouais. quand tu vois l'équipe de France qui performe et qui médaille aux Europes et au monde, c'est encore un peu, un peu difficile, mais aux Europe en tout cas, qui prend plein de médailles, six médailles, euh, dont trois en or, ce qu'on voit, c'est que c'est des mecs qui ne pas. C'est des mecs qui sont à 1, 2 kilos en plus de leur euh, poids euh, de combat toute l'année. Donc, peut-être qu'il y en a qui cut en pensant que c'est une astuce pour aller plus haut, plus loin, etc. Mais finalement, ceux qui sont les premiers de la catégorie et qui performent en Europe cut très, très peu. Merci. Après, attention, on Merci. reporte ce, ça sur les athlètes, mais il y a les coachs derrière. Oui, bien sûr. De toute ça part essentiellement. Toujours bah oui. pareil, qui ne sélectionnent sûr. pas forcément la bonne catégorie de poids. Ouais. Qui disent, vas-y, on à combattre là-dedans, tu cuteras. Ouais mais c'est ça, ça, ça fait flipper. Chez les amateurs, ça me fait peur. Bon, donc, c'est euh, les coachs qu'il faut former, ouais. encore une ouais. fois. Avant de conclure cette émission, parce que le temps tourne, malheureusement, c'est comme d'habitude, c'est trop rapide. C'est trop rapide avec <laughs> à chaque fois, ouais. c'est hyper intéressant. Quoi. Et c'est pour ça que J'avais plein aussi de questions, là. <rire> <rire> euh, donc, avant de conclure cette émission, un mot sur la formation que vous proposez. Donc, elle a eu lieu euh, en juin. Et donc, à partir de maintenant, il va y avoir une formation en ligne, si j'ai bien compris. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de toute façon, pas. Yes, euh, donc là, tout simplement, euh, avec François, après avoir beaucoup discuté, observé ce qui se faisait en France sur la récupération, sur la prévention des blessures, on s'est mis d'accord sur le fait qu'il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas beaucoup de contenu et surtout, ça manquait de contenu de personnes qui sont sur le terrain, de personnes qui vraiment ont eu l'expérience de travailler avec des athlètes de sport de combat, avec des combattants euh, qui ont été dans les grosses organisations, etc. Donc, à partir de là, on s'est dit qu'on allait créer une formation avec pour but, avec deux objectifs. Le premier objectif, c'est d'optimiser la récupération et donc d'optimiser sur le long terme la performance, puisque si je récupère plus, je performe d'autant plus. Et deuxième chose, d'avoir les bons réflexes. Euh, avant, pendant et après la blessure, et donc d'être capable de traiter les blessures. Et donc, on a associé nos, nos expertises, tout ce temps qu'on a passé auprès de ces athlètes en équipe de France, etc., pour dire OK, on va créer deux jours de formation. Aujourd'hui, on l'a mis en ligne avec les diapositives, avec les retours des gens euh, qui étaient présents pendant la formation, qui nous ont dit "Écoute, ça c'est super. Par contre, il y avait cette question que je me posais. Bon, dans ce cas-là, on a rajouté un petit module quand il y avait besoin de le faire. Et donc, l'idée de cette formation, c'est pas qu'elle soit figée comme elle est dans le temps, mm -hmm. mais qu'au fur et à mesure des retours qu'on ait sur cette formation, on puisse continuer à l'améliorer et, et en évoluer. faire une formation de plus en plus qualitative. Donc la dernière avait lieu le 3 juin, vous comptez en faire d'autres en présentiel peut-être C'est possible qu'on en fasse, en fonction des demandes, c'est possible qu'on en fasse une ou deux par an en présentiel, le reste du temps en distanciel, et puis éventuellement, si euh, dans un an ou deux, on a, fait, on a vraiment amélioré le processus, c'est vraiment différent, qu'on refilme et qu'on remette une nouvelle version en ligne. Mm. Eh bien, bien. Bravo pour l'initiative ouais. en tout cas, bon. c'est ce qu'on aime mettre en valeur. Ah, oui. euh, donc c'est noté pour euh... Le e-learning, c'est ça E-learning. Où est-ce qu'on peut retrouver ce e-learning Sur le, la page Insta de François, sur ma page aussi. Très bien. Merci messieurs pour la richesse de ces informations. Merci Seb pour ta première bah habituelle. Merci. merci, merci à vous. <laughs> Vraiment, c'est hyper. Et étonnant. puis, euh, si euh, l'émission vous a plu, eh bien n'hésitez pas à nous faire savoir en petit commentaire. Ça nous fait toujours plaisir. Pour la force, merci beaucoup. Bonne journée. Bye.